Bonjour à tous, alors je suis ici avec Brice. Bonjour Brice. Salut Patrick. Toujours à Qualor. Toujours à Qualor. Alors on est ici exactement. On est à Rohrbach-les-Bitches en Moselle, donc en France. Et nous nous trouvons devant la société Gaia Trend. Alors Gaia Trend, Christophe, c'est toi qui a fait l'aménagement ici. On peut peut-être te donner le nom de ta boîte là. Oui, donc mon entreprise s'appelle JAP, Jardin Aquatique et Paysager. Voilà, ça il fallait le trouver. Tout à fait. Alors, projet compliqué ici. Bon, on n'a pas l'habitude de montrer en fait des aventures, d'usines, de trucs industriels. Mm. Mais bon, c'est pas parce que c'est industriel que ça a été compliqué, ça a été fait en trois phases en fait. C'est bien ça, tout à fait. La grosse contrainte étant donc de marier les trois projets. C'est ça, alors ça a commencé avec le projet de l'entrée, on va dire. Tout à fait, la partie centrale, qui était donc un bâtiment qui avait une toute autre utilité, qu'on a transformé donc en structure de production. Donc la devanture étant d'intégrer de l'eau, ça c'était le souhait donc du PDG de l'entreprise, d'avoir quelque chose, une image relativement sobre, mais intéressante de la, comment dirais-je, de la devanture. On est un petit peu dans le milieu zen, quoi, on va dire. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on voulait quelque chose de tranquille, oui. Voilà, ça permet un petit peu relaxer aussi les clients quand ils viennent. Bien sûr, tout à fait. Alors, deuxième partie, bon, il y a une tour qui a été construite un petit peu sur la gauche, là. C'est ça, tout à fait. Donc, où là, il a fallu intégrer les divers éléments. C'était un ancien parking, donc on avait très peu de profondeur pour travailler, donc très peu de possibilités d'intégrer du végétal. Donc, j'ai travaillé encore essentiellement du minéral, une partie encore aquatique, avec un petit peu plus de hauteur pour l'intégrer donc à cette tour qui prenait un peu plus d'ampleur. C'est ça, et alors au final ils ont racheté un bâtiment juste à la droite et là il a fallu de nouveau se creuser les méninges. Tout à fait, c'est bien ça, il fallait encore là sur un bâtiment qui était là beaucoup plus axé en largeur avec peu de profondeur, donner quand même un effet de continuité déjà entre les deux autres et aussi de pouvoir l'intégrer dans une masse un peu plus verte. Voilà, ce que je peux vous dire, tout ça intègre très bien, hein, donc on a l'impression qu'en fait il n'y a qu'un seul projet ici. D'accord. C'était le but. C'était le but, tout à fait. Donc je crois que c'est une réussite. Alors bon, pour tout ce qui concerne le matériel, jeux d'eau, etc. et aquatique, ça c'est pour Aqualor. C'est exactement ça, voilà, c'est mon fournisseur principal évidemment. Alors bon, vous réalisez des bassins évidemment et des jardins un petit peu partout ici en Lorraine. C'est ça. Tout à fait, essentiellement même sur deux sites. Un site donc ici sur la Moselle maintenant, depuis 2 ans et demi, et sans ça, essentiellement sur la Meuse également. C'est ça. Voilà. Donc ça débouche chez moi, ça, la Meuse. C'est ça, ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, bon, ici du petit matériel, hein, en fait, puisque bon, on n'est pas sur un bassin, on est sur vraiment des décorations, des jeux d'eau, etc. Oui, tout à fait, oui, il y a pas mal de matériel de fontainerie, donc essentiellement du Oase. Ben oui, parce que bon, Oase, il faut quand même le rappeler, sont les leaders sur la partie fontainerie. Hein. Tout à fait. Donc du bon matériel, bon, ça s'articule bien, facile à installer. Oui, facile à installer, oui, bien sûr. Ah ben voilà, ben moi je vous félicite en tous les cas pour cette réalisation, mais attention, parce qu'on va aller voir autre chose. Alors restez avec nous et à très bientôt, et entre-temps, surtout ne soyez pas sages, salut à tous.